Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Mais dans cette région du Gorara, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver de l'eau. Qui dit eau, dit vie. Et qui dit vie, dit civilisation. Le plus difficile dans le désert est d'en trouver la sortie. Je réalise que ce n'est pas par peur de se perdre, mais plutôt d'être ébloui et ensorcelé par son charme et ses mystères infinis. Timimoun, cette oasis rouge qui a tant fait parler d'elle, continue avec d'autres régions du Sahara algérien à éblouir ses visiteurs grâce à ses multiples potentialités touristiques et culturelles, offrant aux touristes un cadre agréable pour passer des vacances sous le soleil doré en plein hiver. En plus des sites naturels dont dispose le Grand Sud algérien, d'autres attractions peuvent générer aujourd'hui des offres touristiques très attractives. Bienvenue dans cette région du Gorara. Nous entamons notre périple par les trois célèbres montagnes de Tibshirin, qui servaient autrefois de repère aux caravaniers et qui indiquaient que la ville n'était plus très loin. Le décor des forteresses le long de l'ancienne route du sel fait le bonheur des visiteurs du Gorara. Les différentes tribus qui ont peuplé la région habitaient des forteresses, composées de petites maisons, une mosquée entourée de jardins et de palmeraies. On les appelle l'Ersor. Ces constructions sont basées essentiellement sur l'argile et la paille, une méthode qui a fait ses preuves par la solidité et la longévité des édifices, et ce, durant des siècles. Plusieurs tribus ont étendu leur règne d'ici vers toute la région du Gorara. Le Gorara est une région de Tibshirin, Sofia, une région de Tibshirin, une région de Tibshirin, وكاين شحال من زوايا وشيوخ اللي مثل القرارة من القرن العاشر الهجري حتى القرن هذا. De nouveaux villages ont pris la place des anciens palais. Le processus de désertification n'est pas le seul facteur qui a poussé les familles à quitter ces forteresses où l'organisation sociale fonctionnait de manière harmonieuse. Mais l'exode vers les villes, avec l'espoir de passer à une vie sociale meilleure, y est pour beaucoup. ما يخفاش عليك بان منطقه تيميمون ضاربه جذورها في اعماق التاريخ عندها لي باتريمون عندها القصور يعني الماديه يعني قصور لوفوكاره وعندها عندها السيستم قديم في الفوكاره وعندها يعني الرق الكبير العرق الكبير وعندها يعني شاسعه المساحه هذه. Le caractère distinctif de cette région est d'être constitué en grande partie de sebra, c'est-à-dire de dépressions argileuses salées. Il y a cinq siècles, et au milieu de Sersor, va naître un homme pieux qui va jouer le rôle de réunificateur en célébrant la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, devenu l'un des événements cultuels les plus connus de la région. تصدع المساجد بمدح النبي صلى الله عليه وسلم Des châteaux au milieu du désert, un décor qui fait tout le charme de cette région du Gorara. Depuis sa création au 9e siècle de l'Égypte, le Sbo de Timimoun a toujours été célébré par les descendants de Sidi El Hadj Belkacem, créateur de l'événement.
Le rituel du Sbo est un voyage spirituel qui retrace le déplacement mené par les amis et les disciples de l'érudit sur une distance de 70 km. Ce voyage commence le lendemain de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu salam et s'étalera jusqu'au septième jour durant lequel tout le monde se réunira dans la Hufra, une cour non loin de la Zawiya de Sidi al-Hajj al-Qasim. Nous avons été reçus par l'imam de la Zawiya de Sidi al-Hajj al-Qasim qui a préféré nous parler du rituel à l'endroit même où est né son arrière-grand-père, l'Oqsar Aousif. الأولية هادو اللي كانت تقرأ هنا الأولية الصالحين اللي كانت تقرأ عنده هنا قال شاف في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا شف الآن أنا بالاستشارة نتاعهم جمعهم قال نديروا المولود النبوي الشريف اتفقوا معاه هذيك الساعة كانت في 9 قرون يا كريم يا كريم يا كريم. Nous sommes أولاد سعيد, une des principales haltes des pèlerins avant la grande cérémonie. Des milliers de visiteurs viennent assister l'arrivée des délégations. Venus des quatre coins de la région du Gourara, les délégations font des haltes dans les différents ksor, portant avec eux des drapeaux distincts. Chaque halte est célébrée par des pratiques religieuses, telles que la lecture du Coran, du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Dès que l'on aperçoit le drapeau de loin, les sages du Qsar sortent pour accueillir les disciples. Et la fête commence, ne s'arrêtant que tardivement dans la nuit. Le silence qu'offre le désert à ses invités est sans mesure. Beaucoup de touristes font le déplacement en pleine période de fêtes locales pour partager avec les autochtones ces moments de réjouissance collective. Notre présence à Timimoun a coïncidé avec la présence de beaucoup de visiteurs venus d'ici d'ailleurs pour vivre de près la magie des lieux, comme ce groupe d'Algériens vivant à l'étranger. À Timimoun, les gens, l'hospitalité, l'accueil, on peut sortir vraiment librement. Et puis là, dans les hauteurs, carrément, c'est énorme, énorme. Merci à tous les gens qui nous reçoivent. Les gens de Timimoun, subhanallah, c'est un peuple, je ne sais pas comment vous dire, c'est des dates. Comme moi, j'ai une date, c'est doux, ben voilà, c'est comme ça, c'est tmar. Ils sont adorables. Putain, je devrais en acheter, moi, pour me démaquiller, j'en ai pas. احنا
حنايا نمثل انايا وكاله سياحيه نخدموا بزاف في اللازي تايلاند الاندونيزي لا ماليزي جاتنا كيما نقول لك انفيتاسيون للصحراء لا بروميير فوا جينا ديكوفرينا مي ما كناش على بالنا باللي الصحراء هكذا شابه بدينا مع لاجونس اون برينسيپ ان شاء الله الا كتب ربي راهي الحاجه واحد الشهر هكذاك نديروا جروب هنايا Moi, c'était un rêve, Timimoun, depuis à peu près une année. Et du coup, on a organisé ça avec d'autres amis qui habitent à l'étranger. On s'est tous rejoints sur Alger et on est arrivés. Et je n'ai pas de mots parce que c'est à chaque fois, c'est toujours une nouvelle expérience. Mais c'est toujours aussi beau. Et moi, ça me permet d'aller encore de l'avant, de partager plein d'images sur Facebook, de le partager avec ma famille, avec mes amis qui résident à l'étranger. Parce que je suis loin d'être égoïste et je veux le faire vivre à tout le monde. Mais c'est, voilà, j'ai pas de mots, c'est magique, c'est l'Algérie et j'adore ce pays. Je découvre aujourd'hui Timimoun, qui est juste à côté d'Adrar, la wilaya d'Adrar. C'est un paysage très différent de là où je vivais. C'est magnifique, c'est très apaisant. C'est, on dirait que vous... En fait, c'est la même sensation que si vous connaissiez la mer, c'est la même sensation. C'est extraordinaire, c'est une autre Algérie que je découvre en fait. Et puisqu'aussi le désert demande que tu sois comme ça, que tu sois spontané, à l'aise et très décontracté. Et, parce qu'en fait, c'est l'espace qui demande ça. C'est tout l'espace qui demande ça. Tu viens tout seul, tu n'as pas besoin d'appel. L'investissement dans les infrastructures d'accueil dans cette région du Gorara ne cesse de prendre de l'ampleur. Et ce, à travers de différents projets lancés dans le domaine du tourisme afin d'absorber le nombre considérable de visiteurs qui débarquent à Timimoun en pleine saison du tourisme saharien. Depuis 2015, j'étais en visite à Timimoun et puis j'étais dans quelques grottes à visiter et tout, puis j'ai flashé directement sur la falaise. Et là, je me suis renseigné, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose, puisqu'on a vraiment un paysage férique qui nous entoure là. J'ai décidé de construire une maison d'hôte. Dans le projet actuellement, on n'a pas encore fini, mais ça va venir. Lounis Bezoui figure parmi les personnes qui ont eu le déclic, après une visite touristique à Timimoun, de se lancer dans un projet touristique en harmonie avec la nature. Moi, je trouve la maison d'hôte, c'est plus efficace. Ça se parle de la bouche à l'oreille entre famille et amis. Alors on va vivre ensemble le 6 jours. Alors ce que je mange, vous le mangez. Ou ce que je dors, vous dormez. Alors c'est ça et puis ça reste à connaître les gens et faire des connaissances avec d'autres familles et d'autres cultures. Ben, c'est ça le secret de la maison d'hôte. Il faut rencontrer la population, même concernant la bouffe, concernant la culture. Par exemple ici chez nous, on a des agriculteurs qui sont juste à côté. Alors, si vous voulez une bouffe spéciale d'ici, vous pouvez vous-même y aller dans les jardins et avoir, par exemple, des épinards, avoir d'autres choses que vous voulez. Ça veut dire un jumelage, une rencontre entre les gens d'ici, les voisins et tout, et les familles qui viennent chez nous. Bon, ça fait 3 ans, on n'a jamais arraché un palmier qui n'est pas... D'ailleurs, la palmerie, je l'ai achetée. On essaye d'ajuster nos plans de construction selon la disposition des palmiers. Au contraire, on rajoute d'autres palmiers. Si on a envie d'un palmier qui nous dérange dans la construction, on peut le déraciner et l'implanter ailleurs. C'est une option qu'on fait souvent.
Les fêtes locales sont souvent organisées pour relancer, d'une part, les liens sociaux, et d'autre part, elles représentent un attrait touristique, mais aussi une activité économique pour la région tout entière. Plusieurs programmes sont lancés autour de l'événement majeur qui est le Sbo de Timimoun. Des manifestations initiées par des associations locales comme la Fantasia ou la course des dromadaires, les danses des troupes de Baroud et les percussions locales. Après Ouled Saïd, la cérémonie de Orser Massine demeure l'une des principales fêtes à la veille de la cérémonie finale dans la cour de Sidi El-Hajj Belkacem. Et comme le veut la tradition, la cérémonie atteint son apogée à l'arrivée des délégations avec leurs drapeaux distinctifs, grâce auxquels on reconnaît le nom de chaque Sar. Durant cette période du Sbour, de nuit comme de jour, les manifestations ne s'arrêtent jamais. À peine terminons-nous une fête, que nous en entamons une autre. Les habitants du Gourara respirent la fête. Des milliers d'invités trouvent où dormir et où manger. Avant de rejoindre la Hofra ou la cour de Sidi El-Hajj Belkacem, nous avons assisté aux préparatifs de la délégation de Timimoun, qui va rejoindre à son tour la cour en plein centre-ville. Nous sommes au 7e jour de l'événement. C'est bientôt la fin. Les activités de cette journée sont multiples. Il est cependant impossible de pouvoir toutes les faire. N'est-ce pas là un beau prétexte de revenir encore une fois fêter le Sbo de Timimoun? Nous laissons les drapeaux pour une autre activité. La célèbre traversée des ruelles d'Orser El-Manjour par les troupes du Baroud reste incontournable. Des rites, des danses, des chants religieux, des louanges. Ici, il n'y a pas de place pour le folklore. C'est une culture ancestrale perpétuée par la population zénète du Gourara.
تظاهرة المولد النبوي الشريف يعني راه مكلاصيه في الباتريمون، يعني هذا يعطيها زخم كبير. عندنا برامج كبيره هنا في المنطقه، ولكن سوء التنسيق بين الجمعيات والاداره، يعني خاصه يعني في لي بروغرام، كاين بروغرامات تتزامن في وقت واحد، ويعني كاين لي بروغرامات يديروهم في القصور، وكاين بروغرامات يديروهم في لافيل هنا في تيميمون في القصر تاع المنجور في تيميمون، وكان لي بروغرام يديروهم في زاويه الحاج بالقاسم. جمعيات المجتمع المدني والاداره وذوي الخبره وعيان المنطقه يديروا بروغرام موحد، ويكون دليل سياحي كيجي السائح هنا للمنطقه يكون على باله واش باغي يصرا كاع في هذه التظاهره، يعني من الالف اللي هي. نحن تكلمنا على هذا المزمار هذا تاع دليل سياحي يكون في المنطقه بطريقه خاصه، وبالاخص سواء في النقل كما احنا نقول البريه الموجوده يكون فيها خريطه ودليل، او يكون على سواء المطار. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. La fête dans le centre-ville de Timimoun bat son plein. Le spectacle des troupes de Fantasia offre au regard des visiteurs le lien harmonieux entre le cavalier et son fidèle compagnon, qui n'est autre que le cheval Barbe. Timimoun vit au rythme des rencontres des cultures. Ici, chaque pratique représente un héritage culturel et cultuel légué par les ancêtres. راهي تزايد من عام لعام. هي بداها ب 7000 نسمه في الاول كما كانوا يحكوا لنا الكبار 7000 نسمه، اليوم راهي تقريبا راهي 7000 ولا في 7 ملايين تقريبا اللي راهي. تقريبا فايت 2000 واحد اللي جم اصحاب اللواءات معناها من الضيوف والمعروفين بالفقره هذه استقبلوها من كل الجهه الغربيه والشرقيه من عدد كبير، ولكن الناس كتعاون بعضها يعني كل واحد يعاون بعضه، ما عندكش واحد يمولوا ولا يعني ما كانش. ما فيش يعني الناس قائمة في سبيل الله في سبيل الله من العام العام يدير لهم فطورهم ويدير لهم عشاهم المدة هذه اللي قاعدة هنا في البلاد وفي القصور من يروحوا من هنا يخرجوا من هنا وكل بلاصة كل قصر سواء منا سواء الشرق سواء الغرب عند بلاصة وين ياكلوا ويشربوا قصر يديروا فيه العشاء قصر يديروا فيه الغداء. احنا من زمان داروها الجدود يعني هذه يعني اصاله فينا يعني متحدين يعني عندنا التعايش السينمي كاع باللي تريبي الحمد لله. واصلا تظاهره الاسبوع واش دارت باش توحيد الصفوف. L'après-midi du 7e jour, les visiteurs ont déjà occupé toutes les places autour de la Hofra ou la cour centrale de la Zawiya de Sidi El-Hadj Belkacem.
Dans cette foule, trouver une place reste un exploit. Les délégations d'Erksoud ne vont pas tarder à arriver. Les sages de la Zaouia se préparent à les accueillir. Les troupes arrivent enfin avec leurs drapeaux et les festivités du Soubour atteignent leur summum. La fête va encore durer jusqu'au matin. Des milliers de touristes assistent chaque année à cet événement qui date depuis déjà des siècles. Un événement qui ne sera plus une fête locale, mais plutôt un patrimoine immatériel mondial de l'humanité, classé par l'UNESCO en décembre 2015. Le Soubour de Timimoun est un rituel parmi tant d'autres qui font la richesse de notre grand désert. Un désert qui semble aride et hostile, mais qui est en réalité le berceau de notre identité et surtout notre culture africaine.